Ouais, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous voyez bien, que la qualité n'est pas trop médiocre. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo que j'ai jamais fait. Enfin, non j'ai jamais fait. Non, ça serait une vidéo cheveux, mais en même temps je vous raconte ma vie, t'as vu. Donc j'ai déjà fait une seule vidéo cheveux, là ça va être ma deuxième vidéo cheveux, mais c'est la première fois que... Bref, je vais me faire une couleur. Pour celles et ceux qui savent et qui me suivent sur Snap, vous avez suivi mon aventure de ma mèche blonde. Bon là, elle se voit pas trop parce que la ring light est archi loin. J'ai l'impression que la lumière, quand la ring light est loin de moi, elle est mieux. Bon, de toute façon, si vous m'avez suivi sur Snap, vous avez vu ma mèche blonde dégueulasse éclatée. Là, ça fait 3-4 mois que je l'ai, je ne la supporte plus, je ne peux plus me la voir. Là, j'ai enfin décidé de passer le cap. Je vais me faire une couleur. Et aussi, pour celles et ceux qui savent, il y a un an, j'avais fait un balayage, c'est-à-dire que j'ai coupé mes cheveux après. Hein. Mais il me reste quand même mes pointes un peu caramel, bref. Mais ça se voit plus au soleil. Là, j'ai décidé de passer un marron cacao. C'est la première fois de ma vie, je vais faire cette couleur. Je sais pas, ça va rendre comment. Je pense que ça va pas se voir. C'est un peu plus foncé que mes cheveux quand même. Ah là, vous voyez ma mèche blonde. Jusqu'à mes cheveux, ils ont poussé. Mes cheveux, ah oui, mes cheveux sont sales. J'ai profité d'avoir les cheveux sales pour me faire ma teinture. Aussi, j'avais mis du gel il y a 2 jours dans mes cheveux. Donc, j'espère que la couleur va prendre quand même. Parce que comme par hasard, ça touche ici. Bref. Alors moi, j'utilise les colorations de chez Eugène Color. Je trouve que c'est les meilleures. À chaque fois que j'en fais, c'est ça. Pas d'autres couleurs. Ceux-là, c'est les meilleures. C'est des couleurs permanentes. Très longue durée. Cheveux doux et préservés. Et non, ça, après, t'as les cheveux super doux et tout. On dirait que t'as fait un soin. Alors que couleur, ça nique les cheveux. Et bah, ça, j'ai l'impression que ça me répare mes cheveux. N'importe quoi. Bref. Là, je suis contente de filmer. Ça fait longtemps. Le face cam, tout ça. Avant, pendant un moment, j'en faisais H24. Donc là, ça me fait bizarre, t'as vu. Et ce que j'aime bien aussi, c'est que regardez. Non, je trouve t'as le papier, tout ça. Bon, qui lit? Qui cala? Personne. Perso, je ne cala pas. Et là, dedans, en fait, t'as les gants. Et t'as les trucs pour ceux qui portent des lunettes aussi. Je vais dire c'est pas mon cas, mais si je porte des lunettes, mais qui cala. Je suis pas maquillée et franchement je trouve ma tête à passe crème. Peut-être qu'au montage je vais regretter d'avoir dit ça, mais ça pour l'instant aucune gêne. Alors on va discuter vous et moi, moi et vous. Alors la dernière fois que j'ai fait une couleur jeune couleur, c'était un acajou. Bon, ça date de ouf, hein, ça date de il y a un an. Ouais, il y a un an. Ensuite j'ai fait ma décoloration d'une mèche. Et sur ma décoloration qui était orange, je l'ai gardée 2 jours. Et après, j'ai fait une coloration châtain. Et c'est devenu caramel bizarre. Caramel. Au début, c'était joli parce que c'était de là jusqu'à ma pointe. Mais mes cheveux poussent archi vite. Je sais pas, depuis que je fais mes trucs là, t'inquiète, je vais en faire une vidéo. Bah, mes cheveux poussent archi vite. Ça veut dire que maintenant, c'est moche en fait. Donc voilà. Moi, je vous raconte ma vie, c'est le but de cette vidéo. J'ai pas mis de soutif, calculez pas, de toute façon ça se voit pas. Donc on s'en fout. Bon, j'espère qu'une couleur va me suffire parce que la dernière fois que je l'ai fait, j'avais les cheveux courts et une couleur, franchement, ça c'était dandy. Mais là, je me dis, je perds mes cheveux depuis que j'ai fait la sleeve. J'ai plus de masse comme avant. Donc je me suis dit tranquille. Et là, vous allez voir, mes cheveux sont dans un état, ils sont archi moches. Là, j'en prends plus soin, je sais pas ce qui m'arrive. Pendant quelques jours, mes cheveux étaient beaux. Vous-même, vous savez, ceux qui regardent mes lives sur Insta. Ouais, et suivez-moi sur Instagram. Je vous mets mon Insta juste là. Suivez-moi sur Instagram, franchement, je suis grave intéressante. Trop de ouf. Je suis grave intéressante, je fais des lives. H24, bon, en ce moment, j'avoue que j'en fais plus trop. Parce que je... Hey, y a quelqu'un qui a fait des trous dans mon mur. Bref, je disais... En ce moment, je trouve plus le temps, alors qu'en vrai, j'ai que ça à faire, j'ai le temps. Mais en ce moment, avec la Cannes, l'Algérie et tout, j'avais la tête comme ça. D'ailleurs, on a gagné. Champion d'Afrique. 2 étoiles. Je dis ça comme si c'était mon père qui était sur le terrain. Mais clairement, ma patrie, je suis trop fière. Et voilà, vous savez pas. Bon, j'ai dit que j'arrêtais de dire des voilà dans mes vidéos. Donc, je disais, vous savez pas à quel point c'est une fierté d'être... Algérien, algérienne, je vous jure, c'est... Vous savez pas, je peux pas vous expliquer, c'est pas possible. Je vous jure. C'est bon, quoi. Bon, là, j'ai mis le produit, on va le mélanger bien comme il faut. Après, je vais me démêler mes cheveux parce que dès que vous allez voir mes cheveux, tu vois, quand je vais enlever ça, mon chignon, tu vas péter un câble. Même toi, tu vas dire... Tu as bulle. En tout cas, j'espère que ça va couvrir ça parce que je te jure, ça couvre pas. Je décolore toute ma tête, je fais du noir.
Ah la vidéo. Non mais pour du ça. Ou je fais du noir tout court sans décolorer. C'est bon. Mais voilà quoi. Je mélange. Je sais pas si vous avez remarqué, mais je suis une des seules youtubeuses. Je sais pas, je trouve que mon stade ça va. J'ai quand même 25 000 abonnés. Je sais pas, j'ai combien, 25, 26, 27, je sais pas. Mais personne me cala, aucune marque. Personne me cala. Mais cherche pas, c'est parce que je parle mal. Je le sais. Pourtant, je trouve que j'ai fait des efforts par rapport à... Regardez ma première vidéo, regardez aujourd'hui. Non, pas ma première, ma deuxième vidéo. Hé, comment je parle mal avec ma bouche. Je parle archi bon, c'est ma façon de parler. Je sais que je parle mal. Mais frère, je suis moi-même. Mais les marques, elles ont trop raf. C'est-à-dire, elles ont pas confiance en leurs marques. La vidéo, parce qu'elles ont trop peur, je les casse. Oh, je vous jure, elles ont archi peur. Elles ont grave peur. Je dis, leur marque, c'est de la merde, c'est nul, c'est éclaté, n'achetez pas. Elles ont trop raf. C'est-à-dire, elles ont pas confiance en elles. Les peu de gens qui me contactent, c'est qu'ils ont vraiment confiance en leur marque. Moi, je vous le dis, moi. Donc, moi, je parle pas. Mais c'est pas grave, on s'en fout. C'est pas grave, tranquille. Je garde mon intégrité. La rageuse qui parle. Là, je vais... Ah, vous savez quoi? On va parler un peu de YouTube. Là, c'est bon. Allez, hop, let's go. On va parler de YouTube. Je voulais parler de ma vie à moi. Mais on va parler de YouTube, le monde de YouTube un peu. Vous et moi, moi et vous. Enfin, le monde de YouTube, ça fait pas 30 piges. Je suis... Ouais, je vous ai dit, mes cheveux étaient dans un état, mon frère. Et là, tu vois, il n'y a pas de boucle. C'est pas lisse, c'est pas frise. Je sais pas, en fait. Venez, on trouve un terme pour ces cheveux, s'il vous plaît. On trouve un terme. Je sais pas. Je vous attends sur les commentaires. Dites. Trouvez un blaze. Trouvez. Ok, donc... Là, je suis en train de les brosser. Quand je brosse mes cheveux, en fait, je brosse toujours vers le bas. T'as vu, je commence par le bas et je remonte en haut. Là, voilà. Ah, bah là, vous voyez que j'ai des mèches un peu blondes. En fait, là, j'en ai une de base qui est là. Tu vois, elle est là. Mais là, on la voit pas trop. De... Elle est plus foncée en vrai, tu vois. Bref, voilà. Et t'en as un peu sur les pointes normalement. Mais là, ça se voit pas. Vous... Pourquoi ça se voit pas? Je sais pas, peut-être vous allez le voir. Bref, malgré que mes cheveux, ils sont chêmes là, et ben ils brillent quand même. Et franchement, je suis contente parce que d'habitude, ils sont archi ternes. Là, on peut pas dire qu'ils sont ternes. Bon, peut-être que vous, vous allez dire qu'ils sont ternes, tes cheveux. Mais moi, je te dis qu'ils sont pas ternes, ok? Merci. Ça, je vous explique. Ouais, je raconte ma vie, j'en ai rien à foutre. Ça, je vous explique. C'est une ancienne frange qui date de l'année dernière, il y a un an. Mes cheveux étaient là. Quand je vous dis là, c'est là. En fait, c'était une autre comme ça, bref. Et ça va grave, je suis grave contente. Ouais. Ah, mais en ça, j'ai trop de culot, hein. Je vous montre trop ma vie. Genre, je sais pas comment vous expliquer. Regardez comment je me montre sur YouTube quand même. Je sais pas si vous vous rendez compte. En ça, vous avez tout vu de moi là. Attends, regardez ma gueule déjà. Ma gueule sans make-up. Plus mes cheveux comme ça. Je respecte qui? Un jour, je me respecterai. Je vous jure, promis. Un jour, je serai dans le game de YouTube. Un jour, j'aurai une belle décoration, une bonne luminosité, une bonne qualité, une bonne caméra et un bon montage. Un jour. Bon, c'est pas tout de suite, mais un jour. Là, si vous voyez le bordel dans ma chambre. Là, c'est le seul coin un peu rangé. Tout derrière. Je préfère ne point discuter. Voilà tous les cheveux que je perds. Tu veux quoi, espèce de pétasse? Tu voulais pas filmer de vidéo avec moi et maintenant tu te ramènes? Bah, tu veux quoi? J'en étais ouf parce qu'elle est venue me déranger. Tu veux quoi? Et pourquoi faire? La meuf, tout à l'heure, je lui dis, viens, on fait une vidéo, on fait une playlist. Elle veut pas. Bah, c'est pas une playlist. Non, là, c'est une vidéo coloration parce que tu veux pas faire une playlist. Non, donc là, c'est une vidéo coloration chit-chat. Ok, je te regarde. Je suis sûre que ça existe pas. Si ça existe, dites-moi. Mais en tout cas, pour moi, ça existe pas. Bref, donc là, on va parler. On va parler de quoi? Je parlais de quoi juste avant qu'elle arrive me déranger là? Je sais plus. Mais là, on va parler de YouTube. Donc, YouTube. Le monde de YouTube. Tout le monde parle d'hypocrisie. Pour l'instant, je n'en ai pas fait les frais. Pour l'instant, j'ai bien dit pour l'instant. Pour l'instant, j'en ai pas fait les frais. Pour l'instant, ça, sur YouTube, j'ai des amis. Non, en vrai, pour de vrai. Je me suis pas encore fait d'ennemis. Parce que les gens, ils ont trop la boca. J'ai remarqué que les gens ont trop la boca. Ouais, j'ai des ennemis. Tout le monde se crache dessus. Bah, pour l'instant, moi, non, j'ai pas eu ce problème. Bon, après, tu me diras, je sais pas, quelqu'un qui me mélange, c'est pas comme si j'avais vu tout le monde en vrai. Non, en ça, j'ai pas vu tout le monde en vrai. Je parle avec des gens. Sur YouTube et tout. Après, je les ai pas vus en vrai et tout. Il y a que Zara que j'ai vu en vrai. Avec qui je m'entends super bien d'ailleurs. Et franchement, il y a jamais eu de rivalité entre nous. Mais de toute façon, en vrai, pour l'instant, je suis personne. C'est-à-dire, j'ai pas côtoyé les vrais gens. Enfin, les vrais gens, t'as capté, les gens qui sont là et nous, on est là, tu vois. Bref, t'as capté.
Pourquoi c'est violet? Ce que j'ai à dire sur YouTube, tout le monde croit qu'on gagne de l'argent, on gagne des millions. Rien, frère, en tout cas à mon stade. Après les sananas et tout ça, je ne sais point. À chaque fois, Miskena, c'est elle que je prends en exemple, mais. Parce que c'est elle pour moi qui est là, tu vois. Bon, après, je regarde pas ses vidéos sur YouTube, je me fais pas du bif. En tout cas, pour l'instant, je gagne rien. Enfin, si, en fait, je me fais de l'argent. Mais je pense que par vidéo, je dois me faire 10 balles. En fait, je vais vous donner une fourchette. En ça, par vidéo, je me fais entre 10 et 100 euros. 120. Il y a une vidéo où j'ai fait 120. Il y a une vidéo où j'ai fait 120 euros. Et voilà. Mais sinon, le plus souvent, c'est 10 balles. Hein. 30, vas-y, entre 10 et 30 le plus souvent. Ouais, entre 10 et 30. Voilà, donc arrêtez de croire, on se fait 10 000 dollars. Si vous comptez mes vidéos en tout, compte, fais 10 plus 10. Je te dis qu'en tout, ça fait combien de mois je suis monétisée? Ça fait 6 mois? Non, parce que, attends, j'étais monétisée à ma quelle vidéo? Je ne sais plus trop. Ça fait 5 mois? 5 mois je suis monétisée à peu près. Entre 4 et 6 mois, je ne sais pas. Je ne sais pas compter. Pour l'instant, je suis à 800 balles. 900 peut-être. Non, je suis à 900 euros. Je peux te dire que j'ai même pas fait une paye. Donc calmez-vous les gars. Parce que les gens, ils croient que je suis là que pour le bif. Eh ben dis donc, tiens. J'aurais bien aimé, mais ce n'est pas le cas. Je dis pas ça sur YouTube. Non. Ok, on recommence. Ça, je couperai. Donc, on m'a proposé un partenariat pour une perruque. Ah, mais là, je parle trop. On est à 18 minutes. J'ai toujours pas fait de couleur. Ah, je ferme ma gueule. Attendez, s'il vous plaît. Ouh là 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 là. Donc, je disais, on m'a proposé un partenariat de perruque. Au début, j'ai accepté parce que, frère, 500 euros pour une vidéo. Qui va dire non? Wesh, qui va dire non? Bah, c'est pas moi, frère. 500 euros MDR, je te fais deux vidéos et je paye mon permis. Donc c'est pas moi qui allais dire non. Et après j'ai réfléchi, je me suis dit, en ça, quand est-ce que je vais mettre une perruque? Surtout que dans ma religion, c'est pas très catholique, tu vois. Donc voilà, je ne sais pas, j'hésite. Dites-moi ce que vous en pensez. Après je me dis que la perruque, je peux la mettre que pour les vidéos. Genre quand je fais un make-up spécial et tout, non, tu vois. Et quand je fais des photos pour Instagram, je sais pas, je vais voir. Et là, je trouvais ça bizarre qu'on me contacte. Parce que je me suis dit, vas-y, contacte que les blacks. Les blacks. J'aime pas dire black parce que j'ai l'impression que c'est les gens qui ont peur de dire noir. Je sais pas comment vous expliquer, mais bref. J'ai l'impression qu'ils contactent que les renoirs, quoi. Et donc, donc voilà, j'étais contente. J'ai dit, oh. Après, peut-être ils ont cru que j'étais une renoir aussi. Hein, parce que regardez ma couleur de peau. Eh, regardez, je vous montre mes gros bras comme ça. Mais sachez que la moitié de ce bras n'est pas le mien. Je jure, c'est de la peau, wesh. C'est pas mon bras, ça, j'en ai rien à foutre, j'assume totalement pas. Vous voyez, là, j'ai des allergies en ce moment. Et mes doigts, ils sont en train de gonfler, c'est-à-dire que mes doigts rentrent pas dans les gants. Je sais pas si vous vous rendez compte, quand même. Voilà, on commence à faire comme ça. Normalement, je fais jamais comme ça. Normalement, je commence toujours par derrière et je vais devant. Mais là, puisque c'est là mon principal problème, c'est bon. La couleur m'apparaît bizarre, hein. Ah, mon œil! Imagine tu tâches ta robe. Bah je la tâcherai, c'est pas grave. Ah non, par contre là mes yeux ils me brûlent, comment ça se fait? Voilà, moi c'est surtout le blond, je vais m'enlever ce putain de blond, j'en ai marre. Non mais j'aurais dû prévoir la vidéo, c'est ça mon problème moi. Si je fais des trucs comme ça, vous savez que de base j'étais en train de dormir là. Je suis comme ça allongée dans mon lit, en train de regarder Glee. Non, Gossip Girl, je suis mytho, j'ai recommencé Gossip Girl et je viens de finir Glee. Et ouais, j'ai recommencé Glee pour la 36 millième fois. J'aime toujours autant, je suis toujours émue. Finn, mon amour, je suis désolée que tu sois mort. Je t'aimais beaucoup. Puck aussi, putain, t'étais si beau. Pourquoi tu t'es suicidée? Ouais, Skip, c'était un pédophile, je sais pas si tu étais au courant, mais. C'est très grave. Je sais pas, après moi, à la Warren, comme on dit chez moi. Je ne sais pas trop si c'est un pédophile ou pas, mais en tout cas, je l'aimais bien dans Glee. Voilà, voilà. Quand j'étais petite, je me rappelle. Me clashais pas. J'avais photocopié des photos de Finn. Ça vient de travail ou pas? Pas grave, bon, bref. J'avais photocopié des photos de Finn et de Puck et tout. Bref, de toute la bande. Et moi, j'étais aussi, j'étais en kiff sur Sam. Mais ça, ça arrivait bien après. De base, là, ça fait pas longtemps, je suis en kiff sur lui. Ah, je l'aime, moi. Son caliente, des calientes, il est. Bref, mais par contre, il a une trop grosse bouche. C'est pas trop mon délire. Bref, je disais quoi? Ouais, donc j'avais des photos de Puck et Finn sur mon mur. Psychopathe! Et ouais, aussi j'avais des photos de qui comme personne que j'idolâtrais. Enfin, j'idolâtrais Starfall, là, j'idolâtre personne. Hein. Mais que j'aimais beaucoup, il y avait Zac Efron aussi, dans High School Musical. J'étais amoureuse de lui. Carrément, le soir, je suis sûre que je suis pas la seule qui faisait ça. De toute façon, arrêtez de faire crânerie, parce que la personne qui ment,
Cyrine, je sais que tu snaps, mais c'est pas grave. Le soir, genre, je m'inventais des vies. Genre, je me crée mes propres rêves. Genre, je fermais les yeux et je m'inventais des vies. Moi, je remplaçais Vanessa. Genre, dans. Elle s'appelle comme ça, hein? Vanessa. Dans High School Musical. Et genre, j'étais en couple avec Zac Efron. Genre, avec. Comment il s'appelle dans le film? Troy. Et genre, je suis en couple avec lui dans mon rêve. Et sinon, je faisais ça avec Glee aussi. Mais c'était plus avec Glee que je faisais ça. Et à un moment, j'étais fan de Justin Bieber et je faisais ça avec Justin Bieber. Genre, je faisais des rêves où Crary, Justin Bieber, il faisait du skate. Et je me rappelle comme si c'était hier, je m'inventais des vidéos ouf. Je faisais des rêves où Justin Bieber, il faisait du skate. Et genre, il a foncé sur moi sans faire exprès. Et genre, après, on est tombé amoureux et tout. Coup de foudre. À tous ceux qui ont fait comme moi. De toute façon, je suis sûre que je suis pas la seule. La vue d'homme, je suis pas la seule. Faut arrêter de faire Crary ici. Sinon, d'habitude, quand je fais des couleurs, je mets de la crème Nivea autour de moi, mais là, j'en ai pas. Je voulais grave faire la meuf qui parle de YouTube, mais en fait, j'ai rien à dire sur YouTube. Parce que je suis personne encore. J'ai rien vécu en vrai. Hein. Franchement, j'ai rien à dire sur YouTube. Donc, ce sera pour une prochaine fois quand je serai quelqu'un. Sinon, aussi, si vous avez des idées de vidéos, dites-moi en barre d'infos. Mais des vidéos assez. Qui me ressemblent, genre. Je sais que vous me demandez des retours, des rangements make-up, mais je trouve que c'est pas moi. Ça me ressemble pas. Je vais le faire quand même, tu vois, parce que je sais que vous voulez, mais. C'est pas trop mon délire, tu vois. D'ailleurs, faut trop que je vous fasse une vidéo sur mes cheveux, mon évolution capillaire. Mais le problème, c'est que j'ai plus mes vidéos, mes photos, j'avais mes cheveux violets. Parce que mon ancien compte Instagram, il a sauté parce que j'ai déjà tout le monde le signalé. Mais j'ai complètement oublié de faire des captures d'écran avant, quoi. Je suis vraiment une bolosse. Pourquoi t'as déjà tout le monde le signalé? Parce que j'avais peur que les. En fait, depuis que je suis sur YouTube, j'ai peur qu'on tombe sur mes dossiers d'avant. Eh, j'ai trop peur. Eh, c'est ma panique! De finir comme Bilal Hassani, Miskin, il s'est mangé des. Ah non, 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 j'ai pas que ça à faire. Donc, moi, carrément, je vais assumer tout ce que j'ai fait dans ma vie, comme ça, personne ne pourra me tacler dessus. Alors, si vous trouvez mon ancien Instagram où j'ai des cheveux violets, où je fais grave pitché, où Starfoula, j'étais. Oh. Ah, j'étais une crasse, je vous jure, une beurette. Non, mais pour de vrai, là, par contre, je peux le dire. Non, mais là, pour de vrai, franchement. D'habitude, j'aime pas ce mot beurette, mais franchement, on m'associe à ce mot-là. Franchement, oui, j'assume complètement. Aussi, si vous trouvez un ancien Twitter à moi. Comment vous dire que j'étais dans une passe où j'aimais bien faire la folle, où j'aimais bien faire la racaille, j'étais petite, j'avais 13 ans. Donc, s'il vous plaît, ne m'en voulez pas et ne me tombez pas dessus. Voilà. Ou non, ça, c'était très grave. Après, je pense pas que j'ai eu des propos racistes sur mon ancien, comme Bilal Hassani, parce que lui, miskin, il est vraiment dans la merde. Moi, j'ai pas eu des propos racistes sur mon ancien tuteur, je pense pas. Bref, en tout cas, moi, je pense pas avoir eu des propos racistes. En tout cas, je m'en rappelle pas. Mais en tout cas, si c'était le cas, c'est comme tout le monde, on va faire les beaux et les belles devant nos camarades à l'école, l'appareil collège, je connais, bref. Mais en tout cas, je pense pas. Mais en tout cas, j'ai une honte. Une honte, c'est que j'étais à fond sur tous les mecs. Donc, je parlais de tous les mecs sur mon Twitter. Donc, s'il vous plaît, ne soyez pas choqués. J'ai bien changé depuis ce temps sombre de ma vie. Sachez-le, merci. Hier, j'ai croisé une abonnée. Voilà, c'est ça que j'aime bien sur YouTube. Voilà. Franchement, il n'y a que ça qui me fait du bien. C'est quand je vous croise. C'est un truc de ouf. Hier, j'ai croisé une abonnée. Je ne m'y attendais pas du tout parce que c'est la première fois que ça m'arrive aussi près de chez moi. Donc, j'ai croisé une abonnée à un carrefour. Et en fait, j'étais avec ma mère. Et elle a appelé ma mère, elle a dit oui, appelle-la. Et moi, ma mère, elle me dit ouais, t'appelles la fille là-bas. J'ai fait pourquoi? Je la connais pas. Je commence à m'avancer, je vais la voir. Je me suis dit ah ouais, c'est bon, elle va m'accuser d'avoir volé. Parce qu'en fait, elle travaille là-bas. Je me suis dit ah, elle va m'accuser d'avoir volé avec ma sale tête d'arabe. Je me suis dit, je suis dans la merde. Mais en fait, pas du tout. Avec un grand sourire comme ça et tout, j'étais trop contente. Elle était trop mignonne. Et puis voilà, on a discuté trop. Pas longtemps, parce que j'avais pas le temps, j'étais déjà à la caisse. En fait, j'allais partir avec ma mère. Et puis voilà quoi. C'était cool, c'était sympathique, oh, c'était sympatoche. Non, ça, j'ai trop aimé, j'ai trop kiffé. Donc, du coup, je te fais un coucou. Je sais pas comment tu t'appelles, du coup, tu m'as pas dit ton prénom. Mais en tout cas, je te fais un coucou. Elle m'a dit, oui, quand je fais une vidéo, t'as intérêt de me faire un coucou. Hein. Je lui ai dit, ouais, t'inquiète. Donc, du coup, je te fais un coucou. Non, vraiment, là, en ce moment, ça m'arrive de plus en plus. C'est un truc de ouf. Et là, c'est la première fois que ça m'arrive avec ma famille. Enfin, avec ma mère, à l'occurrence, ça se dit. Bon, bref, t'as capté. C'est la première fois que ça m'arrive avec ma daronne. Mon habitude, c'était H24 avec ma belle famille. Non, mais H24, ça m'arrivait. Avec mon mec H24 aussi, Miskin. Ça veut dire il y a des privilégiés dans cette chaîne. Vous l'avez déjà vu. Bref, voilà. Mais par contre, j'ai remarqué un truc. Hein. Par contre, ça, je suis pas d'accord. À chaque fois que je vous vois, je suis moche. Non, mais... À chaque fois que je vous vois, je suis encore plus moche que là tout de suite. Là. Je sais pas si vous vous rendez compte. No make-up, du caca dans les yeux. Les cheveux comme ça. Habillée comme une clodo, en pyjama.
C'est pas cool, les gars. Reconnaissez-moi. Venez me voir quand je suis belle. Je sais pas, quand j'ai des beaux cheveux, mes sourcils on fleek. Parce que je suis connue pour ça, de base. Mes sourcils, c'est... Voilà, ils sont chums parce qu'ils sont pas faits, t'as dit. Enfin, ils sont pas maquillés, je veux dire, parce que moi, je les fais pas. Mais reconnaissez-moi quand je suis là, je suis dans le game. Pourquoi vous venez quand je suis moche? Non, c'est bon, j'ai remarqué tout le temps. C'est l'histoire de ma vie, ça. On va me voir que quand je suis moche. C'est un truc de ouf. On a déjà parlé de l'Algérie quand on était champion du monde. Ah non, pas champion du monde, mais bientôt, vous inquiétez pas. On est déjà champion d'Afrique. Moi, je vous dis, dans pas très très longtemps, on va être champion du monde. Oui, oui, je suis sûre de moi. De toute façon, j'en ai rien à foutre. Depuis le début, je savais qu'on allait gagner la CAN. Vous êtes témoins, je l'ai dit. On gagne la CAN. Tout le monde m'a dit, ouais, mais non, c'est pas un coin, l'argent, gagne. On a gagné, Bref, on a attisé beaucoup de haine aussi. Mais pourquoi, du coup, moi, je ne suis pas. Mais ce n'est pas mon problème, j'en ai rien à foutre. De toute façon, quand tout le monde nous aime, moi, ça ne m'aime pas. Tu vois, quand les gens, ils m'aiment, j'aime pas. Tu vois, quand tout le monde m'aime, j'ai déjà expliqué à ma petite soeur, en fait. Par exemple, je vous explique. Nous allons prendre pour une pareille. Quand j'étais au collège, j'aimais trop quand les gens m'aimaient pas. Je jure, c'était ma passion parce que moi, j'étais au collège, personne m'aimait. Enfin, j'avais ma bande, je vous explique, j'avais ma bande de copines et de sahab, tu vois. Mais les plus grands, je me rappelle, en fait, je vous explique. Je suis arrivée au collège, je suis arrivée en 5ème, j'étais nouvelle. Quand je vous dis les grands, ils m'aimaient pas, les 3ème, moi, ils m'aimaient pas. Et moi, j'adore. Et moi, je kiffe. Et moi, je kiffe quand on m'aime pas. J'adore. Et le pire, c'est que les gens, ils m'aimaient pas, mais leurs copains et leurs copines m'aimaient. C'est-à-dire, je leur tapais la bise, ils avaient grave la haine encore plus. Donc, moi, j'adore. J'aime bien attiser la haine. C'est ma passion. Quand on m'aime pas, j'aime bien. Quand tout le monde m'aime, je trouve ça bizarre. Je me sens mal. En fait, il faut que des gens, ils t'aiment pas pour que tu te. Par exemple, je vous explique au collège. Ah non, mais j'étais dans un film au collège, je vous explique. Genre, quand je passais à côté des gens qui m'aimaient pas, je passais comme ça. J'étais trop contente. Genre, je savais qu'ils m'aimaient pas. Donc, j'étais trop contente. Je sais pas comment vous expliquer. Et je passe à côté d'eux en mode je m'en bats les couilles, tu m'aimes pas. Je m'en bats les couilles, casse-ta. Je suis là, qu'est-ce qu'il y a? Donc, j'étais trop contente. Mais par contre, il faut trop que je vous fasse des vidéos sur mes années collège. Je me suis battue. Non, faut que je vous fasse des vidéos. La vidéo, c'est. Wouh! C'est. Il y a eu des trucs de ouf. Faut trop que je vous fasse des vidéos. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui sur YouTube, puisque je sais qu'on m'aime pas trop aussi. Pour ma façon de parler, je suis un peu atypique, je le sais. Je suis une rebeu. Je suis grosse et je parle mal. Fallait bien s'attendre qu'on m'aime pas. Je suis pas sananas, quoi. Ouah, quoi. Je le savais, je suis atypique, on va dire. Je suis atypique. Donc je le savais, mais j'aime bien. Parce que quand tout le monde t'aime, c'est nul, c'est ennuyant. Et quand il y a des gens qui t'aiment pas, tu kiffes. Moi, j'adore. Tu vois, quand tu as 2-3 petits fans, parce que ouais, je les appelle les fans, tu vois. Vous, les gens qui m'aimez bien, qui me soutenez, vous êtes la famille. Eux, c'est mes fans. Les gens qui m'aiment pas, là, les haters, c'est mes fans. Voilà, c'est mes groupies. Je les appelle mes groupies. Parce que vraiment, pour commenter une vidéo d'une personne que tu n'aimes pas, que tu méprises, c'est comme ça qu'on dit. Une personne que tu méprises, mais tu trouves le temps de commenter, l'insulter, l'ajouter sur Instagram, regarder ses posts, commenter ses stories, c'est frère, tu m'admires. C'est de l'admiration. Je dis ça, je ne dis rien. Bah, faut se poser des questions. Après, vous me direz ce que vous en pensez. Mais moi, je trouve que c'est de l'admiration envers, pour ma part. Voilà, pour ma part. Je rêve que j'ai de la couleur sur mon front. Putain de merde. Je savais qu'il fallait que... Déjà, j'ai des taches sur mon visage, déjà. Voilà, Cyril va vous présenter un produit. Voilà, donc pèse-le un peu plus. Montre-le plus. Voilà, donc, c'est un déodorant. Elle rigole, elle est morte de rire. C'est bon, Cyril. Merci, ça va aller. Merci. Donc, c'est un déodorant de chez Mercy Andy. Alors, c'est leur nouveauté. Pourquoi tu rigoles? Il sent bon. Il sent bon de ouf. Hein. Il sent bien. Bref, c'est leur nouveauté que j'aime plutôt pas mal. Et je l'aime beaucoup. Il est super bien. Il est efficace de ouf. Oh là là! Le jour de la finale de la CAN, là, il faisait archi chaud. Je sais pas si vous avez vu. C'était un truc de ouf. Et bah, franchement, j'ai pas eu d'odeur. Et franchement, il glisse, genre le déo, je sais pas comment expliquer, il glisse de ouf. Il est trop bien, franchement, je l'aime beaucoup. Et moi, je l'ai en odeur. Cyril, dis-tu, s'il te plaît, c'est quoi l'odeur? Quoi? C'est Hello Sunshine. Ouais, donc moi, j'ai la référence Hello Sunshine. Comme ça, on dit Cyril? Je oui, m'affiche. Non, c'est ça. Ok, j'ai super bien dit. Ah, trop fière. D'abord, je vous parle de ça. Alors, c'est la marque Minimalist Tattoo qui m'a envoyé ses produits. Bref, je vous mets tout en barre d'infos, leur Instagram et tout. Et alors, en fait, c'est une marque de tatouage, mais éphémère. Comme j'ai fait là, je sais pas si vous vous rappelez. J'en ai fait un là. Là, comme ça. Voilà, il est trop beau. J'adore. Bref, je me suis fait un petit truc.
Car dites-vous que j'ai fait croire à mon mec que c'était un vrai. Jusqu'à aujourd'hui, il y croit encore, il a envie de me niquer. J'ai eu des pochoirs, comme ceci, comme cela. Donc, il y a celui-ci. Celui-ci. Franchement, pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas trop de pochoirs que j'aimais bien, donc j'ai pris les plus simples. J'en avais un où il y a écrit Love, comme ça. D'ailleurs, je l'avais fait ici, mais il est parti, ça fait longtemps que je l'ai fait. Il est parti, ça reste entre 1 à 3 semaines, je crois. Ouais. Donc voilà, ça dépend de combien de temps tu le laisses. Moi personnellement, celui-là, j'ai laissé 30 minutes, je crois. Ça fait déjà une semaine qu'il est là et franchement, il n'a pas bougé. Pas bougé. Alors eux, vous conseillez de laisser 2 heures pour, tu sais, 2 semaines, 3 semaines. Ça, c'est quand tu veux laisser grave longtemps et que tu veux vraiment faire croire que c'est un vrai, tu vois. Ça se présente comme ça. Voilà, c'est de gel, c'est du gel de Jaguar, je sais pas ce que c'est. Tatouage temporaire et c'est du TML. Voilà. Alors, je remercie la marque de m'avoir fait confiance et de m'avoir envoyé. Franchement, j'aime beaucoup. Pour l'instant, c'est resté. Voilà, ça fait une semaine, j'ai laissé 30 minutes. L'autre, il était resté une semaine et demie. Je l'ai laissé, je ne sais même plus combien de temps, mais pas longtemps. Parce que je suis quelqu'un, j'ai pas de patience. Donc, je remercie la marque de m'avoir fait confiance. De la part de chez Merci Andy, dans un packaging comme ça, j'ai reçu un pack avec un gel antibactérien. En ce moment, ah, je les collectionne maintenant, j'aime trop. J'ai reçu une crème pour les mains, ça aussi je les collectionne. Et un spray rafraîchissant d'ailleurs, qui va se gêner. Ça fait tellement du bien. Pouf. Voilà, ça pour l'été, la base. Et en plus, ça sent bon. Donc merci, merci Andy. Merci, merci Andy de m'avoir encore une fois accepté. Et de continuer à collaborer avec moi. Oups. Je reviens une seconde juste pour vous dire que cette vidéo c'est n'importe quoi. Je crois que je vais jamais la mettre. J'ai lavé mes mains, certes, mais mon cou est violet. C'est censé être du marron. Sauf comment, en fait. Quand je suis pas en fait, parce que j'ai commencé à avoir mal aux yeux. Bref, du coup, je reviens vraiment quand j'aurai rincé mes cheveux. Par contre, je sais pas combien de temps il faut laisser. Vous voyez un peu plus ma couleur, mais. On voit absolument rien. En tout cas, on voit plus le blond, si vous voyez. Ni sur mes... Ouh là là, j'ai oublié que j'étais à Walpé. Ni sur mes pointes, on voit plus rien. Je suis redevenue brune. Du coup, je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Je vous montrerai le résultat une fois sec sur Snap, Instagram. Bah, bref. Là, on voit plus du tout le blond. Je suis trop contente. Bref, du coup, je vous montrerai le résultat bien au soleil sur Snap, Instagram. Bref, suivez-moi sur Insta et Snap, tout est en barre d'infos. Et de toute façon, dans mes prochaines vidéos, j'essaie de faire un brushing, crinerie, pour que vous voyez bien. Bref, voilà. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me montrer en mettant un pouce en l'air, en commentant et en vous abonnant. Voilà, bisous!